Bonjour, aujourd'hui Pulseo vous propose une recette originale. Pour réaliser ce plat, il vous faut des poireaux, du fenouil, des navets, des carottes, deux petits concombres, des artichauts, des oignons blancs, du basilic, des petits pois et des poivrons. Pelez les légumes puis coupez-les en fines lamelles ou en petits cubes comme pour la carotte. Coupez quelques rondelles de chorizo et mettez-les au four quelques minutes. Enfin, posez-les sur un papier absorbant afin de les dégraisser. Écossez les petits pois et disposez-les dans une assiette avant de les cuire. Pour découper les artichauts, commencez par enlever les feuilles se trouvant sur les côtés, puis découpez ensuite celles se trouvant sur la base. Pour terminer, dégagez le cœur à l'aide d'une cuillère à café et mettez-les dans de l'eau avec un peu de citron. Une fois tous vos légumes coupés, mettez-les à cuire séparément en respectant les temps de cuisson de chacun. Conservez le bouillon, il servira de base pour la sauce. Une fois les légumes cuits, mélangez-les dans un grand saladier. Pour faire des œufs pochés, faites frémir de l'eau légèrement vinaigrée et posez l'œuf à la surface. Ramenez le blanc sur le jaune afin de l'envelopper. Laissez cuire 2 à 3 minutes. Le blanc doit être cuit mais pas le jaune. Ajoutez de la crème et du basilic dans le bouillon de légumes et versez-en dans le fond d'assiette creuse. Disposez les légumes sur le bouillon. Ajoutez quelques rondelles de chorizo pour la présentation et terminez par poser l'œuf poché sur les légumes. C'est prêt! Pulseo vous souhaite un bon appétit! Bon appétit!